Hello, c'est Cyril. Aujourd'hui, on va faire une petite séance orientée sur l'explosivité des membres supérieurs. On est au Iron Gym, un club qui n'est pas un club de fitness, qui est un vrai club de sport. Donc, je vous invite à me suivre. Il va falloir vraiment que j'explose sur mon geste, d'accord? Donc, l'indicateur que j'ai bien explosé, c'est que les cordes, elles vont redevenir lestes, d'accord? Donc, elles seront plus tendues. Donc, il va falloir que j'explose vraiment. Le geste qui va suivre, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, des tractions claquées avec le poids de corps. On y va. On va voir une version un chouïa plus facile. C'est juste ne plus être en contact avec la barre, d'accord? Donc ça permet d'en faire un peu plus, mais ça reste quand même difficile et ça permet de bien travailler la force de tirage explosif. Donc là, on va travailler avec les medicine balls. Contrairement à tout à l'heure, on a vu le travail de traction qui faisait travailler les fléchisseurs du bras, donc les biceps et puis les grands dorsaux. Cette fois-ci, on va travailler sur des exercices au sol comme des push-ups, donc des pompes, et des exercices explosifs qui vont faire travailler surtout les extenseurs, d'accord? Donc triceps, épaules, qui sont très utiles dans beaucoup de sports de combat pour pousser et frapper, d'accord? Donc on va les voir maintenant. Celui-là, un peu plus dur. On va travailler sur des exercices de lancer, d'accord? Donc le lancer, très important pour travailler la force explosive du tronc aussi, puisqu'il n'y a pas que les membres. Le tronc permet de transférer et de donner beaucoup de force à un geste, hein, notamment sur des gestes de sport de combat, comme une projection en judo. Donc sur la puissance qu'on a travaillé tout à l'heure, sur les mouvements rotatifs, donc là ça se transfère très bien sur le geste de crochet, d'accord? L'exercice qui permet d'avoir un bon transfert sur les frappes en coup de poing, donc en dynamique, donc pas une charge très élevée, mais par contre un rythme assez soutenu, d'accord? Et on peut faire un peu plus de répétitions aussi.
plus de lest, donc forcément moins de vitesse, plus de force de démarrage, donc plus d'explosivité, un peu plus de récup entre les répétitions et un peu moins de répétitions au total. Sur le geste qu'on a travaillé avec la barre, sur le geste d'extension, on voit bien que ça se transfère très bien. C'est les mêmes chaînes musculaires, c'est le même geste. Donc, là, on va travailler avec la Smith Machine, donc le cadre guidé qui va nous permettre de travailler sur des mouvements de lancer qui s'apparentent très fortement à des coups de poing. Hein.